Sur ces nouvelles coupes histologiques, à droite colorées avec la même technique d'immunohistochimie qui permet de mettre en évidence en marron les cellules inflammatoires, on remarque que malgré le diagnostic de pulpite irréversible, seule la pulpe de la chambre pulpaire est enflammée. On remarque que la partie droite du tissu est indemne de toute inflammation, tout comme la partie réticulaire, alors que la partie gauche du tissu de la chambre est très enflammée, voire même partiellement détruite par la pathologie. Dans ce cas, la conservation de la pulpe est impossible. Le traitement endodontique complet est alors indiqué. Il consistera en la réalisation de la pulpectomie dans un premier temps, puis au traitement des canaux en vue de leur obturation dans un second temps.